présente partout. Et au côté de la Tour Diagonale. Les amis. Donc côté la double ici. Course du RC Barca. Mais tout en haut. En qualification truc. Et là, bravo pour ce record 19,445. Donc là, vous avez mon live qui tourne en ce moment sur Facebook. Putain, oh. Victor. Bon, j'espère que vous voyez bien. Allez, messieurs, il vient de rouler pour ramassage. Ah voilà, je crois que vous avez déposé votre voiture en part fermée, les réseaux ramassage. France, est-ce que tu as posé ton numéro ? Je vais te dire que vous n'êtes pas. On n'a pas. Pas mal. Pour l'instant, là, c'est juste histoire de chauffe. Allez, messieurs, départ, 50 secondes. Vous pouvez vous positionner sur la piste de départ. Pour les trois premiers, ça sera 5, 1, 4. 1 seconde, 2 secondes. T'as vu Charles qui est installé? On va faire gaffe, on va prendre la pompe. Bah, c'était ça les câbles en fait qu'ils avaient assez vite. Non, on départ quoi? On attend. On se resserre. Et après ta voiture en photo. Et après ta voiture en photo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entre Fabien, Victor.
Il faut attendre le franchissement de tous les tours et je crois que Victor est parti assez loin sur la grille, donc forcément sa position apparaît au dernier moment. Ah, petit leader, ça va. Il s'en doute très bien qu'il a remis la place. Voilà, très bien, il est 44. Qui possède 1 seconde 7 d'avance sur Benjamin. Il y a les deux voitures qui sont roulant pour être servi maintenant au niveau du plateau sur la C2. Et Benjamin en profite pour faire l'intérieur. Et Fabien repasse devant. Il y a une belle bataille entre ces deux pilotes qui font la première place. Ça nous donne 1 seconde 7 d'écart. Alors 1 seconde 7 d'écart sans problème étrange. Mais c'est pas tout à fait ce que l'on voit sur la piste puisque ce sont des départs décalés. Et voilà, donc nous avons Fabien en tête, le retour en G2, juste derrière, nous avons Benjamin qui cherche à passer. Alors, est-ce qu'il va réussir à passer à l'intérieur, à l'extérieur? Allez, on regarde les chronos, ça nous donne 21-8 pour Fabien, 21-7 pour Benjamin. Les deux voitures avant en route ligne droite. Alors, est-ce que Benjamin va réussir à passer? Oh, une petite faute, elle est presque fortement en avant qui repart, voilà, c'est beau. Et pendant ce moment, la voiture 5 en profite pour revenir. Et Victor également à prendre une place, il n'est plus qu'à 5 centièmes de la deuxième place pour Victor. Que je vous rappelle qu'il y a des départs décalés, donc tout change. Nous sommes à 4 minutes de course en tête, Fabien, deuxième, c'est Philippe maintenant, troisième, Benjamin, quatrième, Nicolas. Et ça va changer, Victor vient de prendre la deuxième place et il n'est plus qu'à 2 dixièmes d'écart entre Fabien et Victor pour sa deuxième position. À combien? 4 minutes 20 de course avec un 21-7 pour Fabien, 21-6 pour Benjamin, Victor nous a fait un 22-4. Putain, mais je me plante tout le temps là. Il va falloir attendre vraiment la fin, l'ultime phase pour savoir qui va avoir la pole position dans cette série truck. Toujours vraiment en fait, c'est Fabien, donc le numéro 4 qui est dans la ligne droite. Deuxième, Nicolas avec la voiture blanche et Jean Courant qui est juste dans ses roues. Mais rien n'est joué, rien n'est joué, puisque avec les départs décalés, j'ai mon écran qui change en permanence. Maintenant, c'est Victor qui n'est plus qu'à 8 centièmes de retard pour Victor. Est-ce qu'il va réussir à prendre cette pole position? Nous sommes dans les derniers tours. C'est terminé pour Fabien, terminé pour Nicolas, mais par contre, c'est pas terminé pour Victor. Victor va terminer son tour, mais je vais voir s'il va, quelle position il va occuper à la fin de ce tour-ci. Alors, eh bien, pole position pour Victor dans le dernier tour, pour combien? 9 centièmes d'écart pour Victor dans le dernier tour. Il nous a fait un 22-256, il finit à 9 centièmes. Une remontée de folie en étant parti, je crois, dernier sur la grille. Voilà, je le vois arriver, je vais lui demander ses impressions après cette qualif de folie. Vas-y Victor, raconte-moi un peu ta remontée. Bah, déjà, après une qualif, je vais louper la première parce que j'étais un palomier. Donc je pars 10e et... Ouais, c'est mis. J'ai pas fait gaffe comment j'étais. Voilà. J'espère que vous avez vu. De toute façon, on va continuer les vidéos des qualifs et puis on verra. Allez, à tous. Bon, moi, j'étais séquent.